Hello, bingo. Je parle un peu fort, j'ai fait des vidéos tout à l'heure. Donc c'est une vidéo réponse pour HA23110. Elle se reconnaîtra. Elle m'a posé une question pour savoir si j'avais déjà coloré mes cheveux. Donc Aïcha, non, tu n'as pas regardé mes vidéos, sinon tu ne m'aurais pas posé la question. Reprenons le sérieux. Donc non, je n'ai pas coloré mes cheveux, ni décoloré mes cheveux non plus d'ailleurs. Les reflets que je peux avoir sur mes cheveux, c'est l'eau de mer. L'eau de mer, l'exposition au soleil. Cheveux mouillés, exposition au soleil. La couleur noire, quand ça, je veux que ça soit bien noir, ben, à l'époque, je faisais des bains avec des fleurs d'hibiscus, ou sinon, je ne sais pas si les shampoings à l'hibiscus seront efficaces ou pas. Non, je colore pas mes cheveux. J'ai jamais coloré et je le ferai pas. Franchement, non, je colorerai pas mes cheveux. Je laisserai la nature de mes cheveux. Et sinon, je constate que la chantilly qui a été sur le lit noircit et le shampoing aussi noircit les cheveux. Ça donne un reflet brillant. Alors, tu vois, dimanche, normalement, sur la vidéo précédente, j'ai fait mon shampoing et j'expliquais que je tournais mes cheveux avec la chantilly karité ou le beurre de cacao. Et tu vois, Aïcha, nous sommes mercredi, mes cheveux ne se sont pas démontés. Voilà. C'était juste pour dire ça. Tu m'as posé une autre question. Qu'est-ce que je pense de départ de locks sur cheveux défrisés? Je trouve ça un peu dommage puisqu'à un certain moment, il faudra bien couper les pointes défrisées et pour être 100% naturel. Donc, à moins qu'on n'a pas assez, disons que les personnes qui font des parts de locks sur cheveux défrisés n'ont pas assez de repousse et ne peuvent pas attendre. Après, c'est leur choix. Hein. Moi, je n'ai pas une réponse universelle, mais j'aurais préféré démarrer mes cheveux sur des cheveux bien roots, quoi, bien naturels, quoi. Donc, ouais, ça serait plus ça. Sinon, il y a certaines personnes qui ont des cheveux défrisés, mais épais. Donc, peut-être qu'on ne verra pas trop la différence. Mais certainement, la locks, je pense qu'elle va tomber, quoi. Quand je dis tomber, elle sera droite sans consistance, sans volume, je sais pas. Faudra couper. Ça dépend de la longueur aussi des cheveux défrisés. Si c'est des cheveux défrisés, un exemple, je sais pas, qui sont longs comme ça, ben non, non, je vais pas trop le tiquer. Donc, Aïcha, j'espère que j'ai répondu à ta question. J'espère que j'ai répondu aux questions aussi des gens qui se posaient des questions. Si j'avais coloré mes cheveux ou pas, je les ai pas colorés, je les ai pas décolorés non plus. Non, je suis contre de toute façon. Donc voilà, et ce que je pense, je vais les friser. Chacun fait le départ comme il veut. Moi, j'aurais préféré un 100%, 100% naturel à la base, quoi. À la base, c'est ça. Hein. Donc voilà. Donc si vous avez d'autres questions, vous me dites. Et voilà, quoi.